Est fixé sous nomination Premier ministre, choix Premier ministre, donc consultation, oui, qui est important, hein, si nous voulons quand même sortir pays de situation, il est là, il faut que consultation pour nous entendre nous son minimum pour nous avancer, mais deux semaines déjà, depuis nous avons un gouvernement qui démissionnaire, et nous pas arrivé jusqu'à présent à un nouveau Premier ministre, pendant temps ça, on a perdu temps, oui, on a perdu temps, mais quel est le désordre qu'a fait dans le pays, et on a eu, c'est ça nous relater matin, monde qui après tirer manger chien pour mettre au dans manger monde pour faire monde manger chien. Ouais. Ah ben voilà en consultation. Non, voilà. Il faut qu'on a la consultation, pas ça qu'a fait Kounia, hein, c'est mot ça qui est à la mode Kounia depuis quelques jours. Donc président Jovenel Moïse qui lui-même a continué rencontrer les représentants sectoriaux dans l'idée pour aboutir à un choix et un nouveau premier ministre pour remplacer Jacques Guy Lafontaine. Ouais, nous deux semaines hein, depuis consultation ça y est, tant même pas un nom sous table jusqu'à présent. En tout cas, porte-parole président République, là, Lucien Jura a confirmé déjà qu'il y a quelques noms, personnalités, oui, qui sont à blanc pour t'avoir occupé, fonction, ça, toutefois, il n'y a pas de citer aucun nom. Oui, il y a un monde, tout pays, tout peuple haïtien, a pas accepté, et puis qui a pas gagné capacité pour l'attaquer tout bon vrai, ensemble, défi société, ses profils citoyens, ça, allocataire, palais national, là, pas cherché, d'après Lucien Jura. Ouais, pas de parole, président, ça, qui va garantir toute disposition, déjà, prend pour faciliter choix ça sans perdre du temps dans intérêt pays ça qui veut dire pays ta doué qu'on est dans jour cap venir là yo semaine n'a pas ta doué passer pour pays par qu'on est finalement qui moun président choisi pour aller remplacer Jacques Guy Lafontaine. Voilà un côté déclaration porte-parole la présidence là Lucien Gérald t'avais expliqué dans le micro Patrice Salomon. Nous en stade très avancé, le président de la République Lanté vient de pourparler avec des personnalités, pas seulement des secteurs, mais également des personnalités où est comment au plus vite il est capable de arriver à la désignation successeur Premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Il y a des gens qui m'ont demandé pour qui sa consultation ça a aucune raison d'être, étant donné que constitution dit que c'est en consultation avec les présidents des deux branches du Parlement. Eh bien, c'est un souci pour que le chef de l'État prenne une meilleure décision possible parmi 4-5 bonnes décisions qui sont capables de gagner, parce que nous ne sommes pas capables de cacher aujourd'hui hein, que l'événement 6-7 juillet, c'est fait que bon, ensemble de secteurs eux-mêmes qui ont élevé la voix, nous avons prononcé sous quelle direction nous avons souhaité que le pays apprend en termes de gouvernance. Et chef d'État qui est toujours lui-même très ouvert au dialogue, qui tenait compte de remarques, suggestions et réactions secteurs, citoyens et de l'ensemble de la population, et jugé bon entreprendre consultation ça pour être capable de jouer une meilleure issue possible en ce qui a trait à une nouvelle administration qui va gagner pour diriger le pays. Lucien Jura, il y a des noms qui déjà est sous table là, dans le moment où on a parlé. Est-ce que il y a des noms qui ont déjà cité pour être un prochain Premier ministre? Effectivement, et chef l'État pas d'accord une semaine, tant que l'État est progressivement à travers toute consultation et à travers tout acte comme proposition de profil pour ne pas être capable de donner des noms qui viennent à l'esprit. Mais au moment où nous parlons, il y a d'autres secteurs, d'autres personnalités qui ont même pour rien une chance d'échanger avec le chef d'État et le pas une commode trop pour que pas avant ensemble de discussions ça finit au niveau de la présidence pour que formellement nous rendre public nos saillots qui aujourd'hui a fait l'objet de réflexion au niveau de la présidence haïtienne. Lucien Jura, aujourd'hui a gagné un pile monde qui croit que pays a et de fait son constat que pays a traversé une période qui est difficile, une crise politique sévère qui même bah on a lieu de crise chronique
et en pile moun inquiet par rapport à nouveau choix ça, gen moun ki déjà pensé que c'est pas un bagage qui va venir avec un rien qui nouveau, rien ne sera nouveau sous le soleil. Donc je dis à qui ça, notre tête président de la République, profil au premier ministre, au chef gouvernement, takaye pour pays d'Haïti, dans le moment où on parle. Ensemble de ce qui est là intervenu, parce que le président a parlé de gouvernement inclusif, libre, mis en place, ensemble de secteurs, il y a unanime à dire que le premier ministre, il faut que son monde dit le yo, sinon, pas causer aucune frayeur dans aucun secteur. En d'autres termes, il faut que son monde dit plus ou moins fait l'unanimité. Il faut qu'on pas oublier que le président Jovenel Moïse qui prend des engagements à travers la campagne électorale, il faut que citoyen ou bien citoyenne ça lui-même lui manifeste volonté pour l'instance mise en œuvre vision politique de l'État. En plus de ça, gagner conditions imposées par la Constitution réunie, et bien évidemment, avec la situation de M. Bivario, nécessité pour que Jody en gagne une très bonne cohabitation avec l'État, que ce soit les pays amis ou les grandes institutions financières, que ça soit réalité pour que, avec nous faisons un plan lit incontournable. Donc, ça a été tout que pour que chef nature en lui-même, son monde qui a une capacité pour le dialoguer, discuter et négocier avec l'international. Donc, ce sont tous ces paramètres combinés qui jouent dire la à guider chef d'État dans le choix pour ce premier ministre. Et si il y a des mondes sceptiques, on peut le comprendre, parce que le pays a vécu un moment extrêmement difficile, il y a de gros défis devant nous, mais responsabilité, tout chef d'État qui respecte cette chose, justement, c'est un moment de grande difficulté pour que l'État à la hauteur de grandes responsabilités ou de grands moments historiques, pour que ce soit problème de chômage, problème de la richesse et au niveau conjoncturel, problème d'emploi dans le pays, ou encore problème structurel, nécessité pour que tout pays a des courants là-dedans, tout que nous gagnons, routes qui interconnectent, toute section communale, pour que nous remembrions production nationale, pour que nous sortions d'un cercle de dépendance au niveau alimentaire, ça, pour que bout de noix, libre en valeur par rapport à dollar, là, presque. C'est des gros défis que nous devons poser sur le plan structurel à moyen et à long terme, que nous ne devons pas faire du défi non plus pendant que c'est le problème qui, devant nous, là, faut nous affronter. Par exemple, il nous faut un nouveau budget, ça ne va pas attendre. Il nous faut être chronique. La nature n'a pas besoin de connaître ça, de gagner comme difficulté au niveau de la gouvernance politique. À n'importe quel moment, nous sommes capables de rappeler, nous sommes interpellés. L'autre gros défi, c'est la rentrée des classes. Et je veux dire, le gouvernement démissionnaire qui a son gouvernement qui est quand même limite, qui n'est pas capable de franchir sous toute grande mission de l'État, d'où l'urgence et nécessité pour le chef de l'État de trouver une remplaçante au plus vite, déjà dit la fontaine à la primature. Voilà, porte-parole, président Sénat, Lucien Jura, sur avancé, non, consultation, chef l'État, mais avec divers secteurs, non, la vie nationale, là, consultation qui pourra poursuivre, alors que nous environ deux semaines après démission, Jacques Guy Lafontaine, officiellement toujours pour co-gagner, il y a un premier ministre qui choisit, en tout cas, porte-parole, président Sénat, fait qu'on est gagné, non, qui commençait par être sous table, et non, jour cap, vini là au pays en pral connaît qui est ce qui après remplacer premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Entre-temps, ancien président, plutôt ancien candidat pour poste président dans dernière élection, yo Harry Brotou souhaitait une solution jeune crise politique là avec nomination un nouveau gouvernement pour bail population l'espoir. Il est important pour acteurs yo dans l'état agir yon l'autre gens pour rebailler citoyens confiance sans sa pays pas prendre les pièces côté selon entrepreneur qui dit les regrette incident violent qui est arrivé dans le pays en 6 et 7 juillet passé, incident qui pat épanouie secteur affaires, un mauvais signe pour pays et qui capable de décourager moun vin investi en Haïti. Harry Brotou dans micro Caraïbe FM. Qu'on y a là, ça cap sorti scandale, cap sorti quoi gaspillage qu'a fait au niveau de l'État, au niveau particulièrement de chambre législative, de Sénat, République là, nous rendons compte que
eh bien grand pile événement qui pral venir derrière parce que nous chita sont du feu nous chita sont bon qui tire l'être là dans et que qu'on est là que tout élément mauvais élément ça yo a alimenté et qui parle faut explosion nous même nous pas t'arrêter explosion fait la pays parce que et ça va le mettre pays encore beaucoup plus loin côté lié là grand pile instabilité et déjà pas de travail grand entreprise qui a fermé grand entreprise étrangère qui t'a venu pour faire investissement ou obligé camper loin ça veut dire que peuple parle beaucoup plus de misère qui parle beaucoup plus de problèmes ça pour nous demander nous mêmes c'est que haïtien prend tête yo il y a un premier ministre qui se déplacer qui démissionner pour capable faire place et ben nous souhaiter que yo comprendre sans ça ça veut dire que débarrasser le plancher pour yo mettre pour faire de la place à quelque chose de nouveau qui capable satisfaire mon capable bailler mon espoir pour que bagaille changer dans pays pour que gagne un nouveau départ et là sans ça n'a souhaité que bon que mon fait bailler beaucoup mieux fois ça et fois ça nous en passe de formation au nouveau gouvernement et c'est et autour de démarche ça tout débat yo déroulé c'est comme quoi un nouveau gouvernement pourrait changer situation est-ce que pour même problème paysien lié à de nouveaux dirigeants de nouveaux ministres ou c'est qui ça doit faire vraiment au-delà de formation au nouveau gouvernement pour résoudre problème yo même parce que notamment ils font virage à 360 degrés donc on pile bien affaire qui pas bon et gaspiller l'argent paysien mon cap dirigeant a gaspillé l'argent pays clairement et il y a chargé peuple parce que c'est un grand peuple qui est capable de faire peuple travail et taxer lui mettre gaz mettre l'argent mettre plus l'argent mettre augmenter misère peuple en quelque sorte alors que t'as là puis justement puis soulager lui et là nous parler de nouveau gouvernement qui va venir au moins là bas mon espoir puis capable de vivre puis rendre compte que il y a la donne tout il a participé dans la vie nationale là parce que ça qu'a fait là nous avons cette équipe qui met tête ensemble et puis il y a pas sous nos pays hein. Ça dit que il y a prend budget tout budget l'argent pays hein, c'est pour yo budget par le d'ailleurs il est plus que l'argent et budget de la santé ministère de la santé publique donc on capable carrément que moun yo révolté parce que moun yo pas senti que yo gen moun qui a dirigé vraiment gen moun qui a prend soin yo chef d'ailleurs a fait sirène chef arrêté c'est chef qui joine toute qualité et honneur chef qui joine tout l'argent pays hein, fait sirène situation ça nous construire côté nous avec lui dans l'abîme et moi-même en tant qu'entrepreneur en tant que monde qui est intéressé dans le pays moi qui vraiment aime le pays moi t'as mes rebâillons changer donc maintenant dans ce sens ça que monsieur cap dirige qu'on est là on fait ça au gain pour faire pour rebâillons confiance en pays et pour que monde capable vivre en paix dans le pays. Harry Brotou, ancien candidat pour poste président dans dernière élection. Pendant temps ça, guerrier Goodland, lui continue à perdre valeur malgré décision autorité au prend pour protéger Goodland par rapport à dollar américain. Et c'est dans ce sens ça, sénateur Jean-Rigaud Bélisère, il demande autorité et l'État pour appliquer la loi contre toute institution qui continue à fixer prix produit en dollars sous marché national. Et concernant dollar qui a grimpé monter côté yon moun a besoin entre 69 à la 70 gouttes qu'elle est là pour un dollar. Sénateur a rappelé seul moyen pour Goodland gain valeur, c'est production nationale là qui doit augmenter. Le sénateur Jean-Rigaud Bélisère dans micro Wen Chaladien. L'effet que l'État a pris une décision pour que yo libère les transactions en goutte, ça n'a pas aucun effet sous question et taux d'inflation. Qui est fait le gain? C'est que normalement, si vous avez sorti la caillou, vous pouvez l'acheter en produit, l'arriver, là en boutique, là dans le magasin, déjà pour produire en goutte, là, ça n'a pas le besoin pour changer dollar. Et l'autre problème de composer, l'arriver dans le magasin, yo, généralement, ou qu'on ouait, le magasin en d'où, il fixe propre topal. Là, ça a qu'on manque à gagner au niveau de la population. Qu'on a fait des pertes énormes avec la fixation du prix des produits en goutte, ça protégeait les consommateurs à un certain niveau. Mais en ce qui a de la fluctuation tout dollar, pas oublier que depuis dollar là, c'est tout à fait normal puisqu'ils sont marchandises comme toute marchandise et puis on parle bien beaucoup plus de goutte pour acheter. Maintenant, pour résoudre le problème ça de manière définitive, il faudrait que nous rentrions dans sa rue là en vraie production nationale. Mais tout autant que nous pas en vraie production nationale, ou pas qu'à camper mode de fluctuation goutte là par rapport à dollar. Parce que
plus gain good, plus moins gain dollar, eh bien plus on a besoin plus good pour acheter. C'est comme ça l'a toujours. C'est-à-dire l'effet que vous fixez tout prix marchandise en good, là, il n'y a pas de rapport à l'application. Maintenant, sous question application loi, moi quoi que je dis, c'est ni citoyen ni l'État qui pour accorder violon. Parce que si fixer prix produire en good, c'est un bail qui est important pour la population, hein? Eh bien, moun kap vann yo tout, faut que yo prenne conscience, faut que yo prenne conscience normale qui a fonctionné dans le pays pour respecter la loi. Maintenant, moi pense que faut que le ministère du commerce et l'État en général prennent des sanctions contre moun qui pas voulu respecter, ouais, les prescrits de la loi. Donc là, ou pas ka, ou même qui pourrait l'acheter, ou pas ka forcer moun nan respecter la loi, mais moi pense que le ministère du commerce, l'État en général, gen pour responsabilité pour mettre des inspecteurs, pour mettre des brigades qui pourraient garder est-ce que ce soit au niveau hôtelier, que ce soit au niveau concessionnaire qui vend machine, etc. ou autre, pour que, eh bien, prix fixé en goutte. Moi, j'ai un bon exemple, moi, j'ai des hôtels malais, moi, j'ai fixé en goutte. Tout comme j'ai d'autres côtés malais, ou j'ai fixé en dollar. Donc, il était pour l'État prendre disposition pour que la loi respectée par qui que ce soit, qu'il s'agit de simples citoyens, pour la loi respecter, qu'il s'agit d'un monde qui est riche en dans le pays, il faut apprendre à respecter la loi. Qu'il s'agit d'un policier, qu'il s'agit d'un ministre, quel que soit niveau dans la société, il faudrait que vous respectez la loi et c'est ça pour permettre nous marcher correctement dans le pays, pour respecter nous au niveau national et au niveau international. Sénateur Jean Rigaud, Belizère, sur non respect, mesure, Banque Centrale a été prend pour faire transaction, yo fait en good, et pourtant nous constater certains business là, non pas au présent, continuer à faire transaction en dollars américains, donc ça c'est faiblesse d'État hein, pour faire appliquer une décision qu'il te prend, une décision qui t'est visée et soulager good là face à dollar là qui a pas monté quoi il est là. Je dis on presque besoin 70 goudes pour gagner un dollar américain. Oui, il y a un monde qui plaint le fait que gagne des magasins bon nous parlait de Pétionville, mais gagne l'autre côté tout côté l'Europe a changé. C'est ça? L'on va acheter à taux du jour, donc mon yo mettez taux à quand c'est l'argent au vrai, qui a coûté 73 gouttes pour un dollar. Ouais. Donc là, par exemple, si mon nandou micro avant c'est $500. Donc le kounia ou dit le convertir pour en goud, donc c'est le ça. Donc il monte le barreau là, 73 goud. Donc il décourage ou même pour pas acheter en goud. En goud. Mm. Donc on a l'or un dollar ou tout bail un dollar. Mais soit le changer pour ces goud là ou à l'acheter, donc c'est là le problème là. Même quoi au niveau du ministère et économie et finance, il y a une brigade qui qui crée là hein, pour te superviser pour si mesures ça yo respecté. Donc on a une nouvelle brigade là et pendant ce temps mon continue passer août décision et ça retourne nous dans même sujet que j'ai évoqué tout à l'heure. On a commencé le journal là, on sait de produits qui vendent sur marché là, alors que si tu gagné supervision, si tu gagné travail ça que tu as fait et il pas ta possible mon t'a prendre pour pas prendre chance et le prendre chance là yo t'a prendre sanction peine que ça mérite selon la loi. Pas gagné dans pays la loi pas appliquée. Les autorités a fait annoncer, elle fait une décision et puis après ça le chuta quand oui tout bagaille fini. Et puis mon même il continue dans des autres. Ah donc il pas ton jeu même gentil mon nous gagne ou dit pas fait ça s'il fait ou pas caler mais il fait ou pas caler mais la prochaine fois il pas peur hein sort dit il pas fait mais la fait. On est là avec secteur sous-traitance là. Président Jovenel Moïse a gagné jusqu'à 1er août pour satisfaire revendications ouvriers d'après porte-parole plateforme syndicale l'usine textile. Et si rien pas fait, ouvriers menacés prend béton pour aller exiger 1000 gouttes comme salaire minimum avec accompagnement social d'après Télémac Pierre qui continue à dénoncer salaire ayant opération révocation illégale ouvrier dans le secteur textile là. Télémac Pierre, t'es dans le micro, Johnny. Après concertation, et vous nous connaissez qui prochaine étape, et ça, c'est pas une mobilisation qui va le faire seulement contre le prince, où tout côté, ils sont posés ensemble pour que le mouvement le fait de façon, même gens que nous devons faire avant, pour que un mouvement unitaire qui fait par rapport avec et gros défi que nous vivons, c'est
pour le gouvernement y ajuster le salaire minimum. Et donc là, nous disons que c'est 1000 gouttes que nous besoin comme salaire minimum. Il faut qu'on s'aille ça, les choses restent avec M. Appel qui était là pour qu'il coupe la avec nous. Nous ne pas reconnaître lui et nous ne pouvons pas travailler pour nous parce qu'il y a des rapports en perspective là qui ont été mis et nous avons et peut-être pas, nous-mêmes, nous appuyons tout le monde dans toute mobilisation qui a fait. Et c'est mobilisation des milliers qui fait une mobilisation nous-mêmes, nous avons organisé pour que le prochain jour, quand venir la rue, nous baillons. On donne là pour que tout le monde ouvre. On a ouvre déjà à demander qui prochain jour que nous avons projeté une autre mobilisation. Et nous-mêmes, toi, en tant que responsable, nous comprenons qu'il y a une nécessité pour nous organiser des mieux pour que là, nous soutenons dans la rue pour la police par un espace pour que nous matraquons. À travers le bureau régional, maintenant, qui est M. Jacques, qui est M. particulièrement vous rappelle. Et au client mal placé, il aurait évoqué Mounio et parti par là. Par exemple, dans IW, il aurait évoqué sa camarade. Dans Silver Lamy, nous mettons syndicat. Parce que le comité syndical, il mettait maillot syndical qui identifiait comme représentant syndical dans l'île. Il a empêché l'ordre. Je dis à l'évoquer 10 membres du comité syndical. Et on évoquait plus parce que 70 ouvriers membres de ces partisans syndicats. Ça veut dire que je dis à une grosse question que nous avons fait face avec lui. Dans différents unions, il y a des problèmes dans Carrefour, des problèmes dans le régime, des problèmes dans son appui. Ça veut dire que les problèmes sont en pile. Et ça fait que par rapport à la question de gérer les problèmes, nous avons fait un support pour que nous puissions gérer les problèmes. Et il n'a pas été lancé par rapport à la mobilisation du gouvernement. Je ne dis pas du gouvernement, je dis à la président Jovenel, Baron Gomet en unité, pour qu'il fasse ça nécessaire pour que ça allait alister avant le 1er août qui vient. Si pas bien ça, nous voyons l'ensemble de la mobilisation et tout. Il y a autant de mots d'ordre que nous bataillons pour que nous forcions, parce que c'est nous qui nous forcions pour ajuster ça les minimum. Et je dis, je dis que Jovenel Moïse, ça clé, ça passe 6-7 là, c'est un exemple. Je dis, ouvriers, yo, c'est des opprimés. Ça arrive, non, nous, qu'à venir, on révolte qui puissant grotte que ça arrive si c'est là parce que nous pas qu'à subir l'oppression, ça, on a subi chaque jour. Nous pas jamais un monde qui levait douette pour nous, l'enrêler, c'est gaz à qui nous j'aime nous. Ça veut dire, pour que nous soyons qu'à comprendre que nous nécessitons aujourd'hui, à, pour que nous, permet à coup pas pour que nous permettons aux populations de l'Ivalion souffre. Président de la Commission économique et acteurs financiers de la République, Jean-Hugo Bélizer, fait connaître la Commission après poursuivre avec analyse de projet loi finance rectificatif exercice 2017-2018. Là, même le gouvernement qui t'a droit de défendre document démissionnaire. Oui, le sénateur a annoncé une rencontre qui programmait avec différents secteurs dans le cadre d'analyse projet budget. Ça, sénateur Jean-Hugo Bélizer, nous invite à écouter un autre point encore dans le micro, Wanchel Adrien. Tout de suite à l'événement exécutif là, rentrer budget 2019 là, comme nous te promettons, nous te prenons pour un travail conjointement entre les deux budgets. Donc à partir d'événement ça, nous obligés à travailler exclusivement sur budget rectificatif là, qui sont outils indispensables pour nous bailler l'État. C'est ça que fait depuis le week-end passé, nous avons lancé un ensemble de rencontres. Donc nous allons nous rencontrer avec économistes. Tout demande nous au niveau commission déjà fait invitation. Demain après première rencontre nous avec ensemble économistes, parce que l'objectif nous c'est rencontrer tous les secteurs en façon pour rebondir point de vue sur le budget ça. Sinon, pour la constitution 1987 amendée, l'article 165 il dit que le gouvernement démissionnaire il doit rester en fonction jusqu'à ce que au grand l'autre premier ministre, dans le cas ça, il vient pour liquider les affaires courantes, ça veut dire les affaires en cours. Pas oublier budget ça a été déposé avant même le gouvernement de démissionnaire, donc nous avons considéré le budget 4 là comme on a fait qui en cours. À partir de ce moment-là, nous-mêmes, nous sommes capables d'inviter les ministres, parce que le parler des affaires courantes, jusqu'à présent, pas de loi qui détermine les affaires courantes. Et les nous, y égard à la constitution de 1987, à l'article 165, nous n'avons pas aucun inconvénient pour qu'ils nous aient rencontrer avec les ministres. Cependant, dans la pratique, nous toujours rencontré les ministres et au niveau du Parlement. Mais c'est pour une loi qui dit que l'on a rencontré un ministre, l'on a fait une analyse d'un budget de loi, faut
faut que c'est exactement au niveau du Parlement pour rencontrer. Donc c'est ça qui fait que si normalement on n'est pas obligé de rencontrer le ministre, ou t'as obligé Chita ou analyser le budget, si pas un inconvénient, si pas des questions qui t'a important pour poser au ministre, ou t'es qu'à faire analyse ou faire rapport et puis pour voter. Cependant, si il y a des questions qui t'a intéressé pour nous rencontrer au ministre, nous avons une équipe technicien et nous-mêmes au niveau commission, nous sommes capables toujours de rencontrer au ministre pour nous discuter un point qui est important en tant que budget pour la nation. Ça peut bien doit faire dans le Parlement parce que le fait qu'un ministre démissionnaire, puisqu'il a toujours été en fonction, et maintenant d'attendre un juriste sous question, ça va dire pour autant l'État a campé pour ça. Est-ce que nous avons campé l'État si par exemple un incendie pour nous dire ministre démissionnaire, donc pas altier du fer. Donc à partir de ce moment-là, puisque le budget c'est quelque chose qui va engager la nation, il y va de la survie de la nation, moi je pense que c'est tout à fait normal pour nous rencontrer le ministre. Est-ce que c'est au niveau du Parlement à rencontrer ou bien c'est quelque part d'autre, ou bien est-ce que c'est le ministère où nous allons voir les techniciens ou bien nous-mêmes au niveau de la commission, nous allons rencontrer le ministre sur des points que nous allons juger importants, et là ça, au niveau de la commission, nous allons décider pour nous connaître ce que ça va nous faire.